airport information, Mike. Wind at 320 degrees at 6, temperature 5.3, altimeter 3000. Salut à tous, c'est Nuin et bienvenue dans une nouvelle série. Donc aujourd'hui les gars, c'est le premier épisode de cette série. On va tout simplement en gros être dans la peau de différents métiers donc sur GTA. Aujourd'hui je suis en pilote, j'ai mon petit pilote hein, qui d'ailleurs qui ne veut pas s'arrêter. On va comme lui dire de s'arrêter. Je vais m'arrêter ici, voilà. Donc j'ai mon petit driver qui va tout simplement me ramener à destination. Et on va tout simplement être dans la peau d'un pilote d'avion, un peu comme dans la vraie vie, etc., dans GTA. Et on va voir si, du coup, tout simplement, la personne, on va être en gros, donc, tout simplement dans sa peau, voir comment ça se passe. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pour mission de ramener deux membres d'un gang. Donc, je vais vous montrer ça, je ne sais pas si on les voit derrière. Voilà. C'est deux membres d'un gang mexicain qui tout simplement vont devoir en gros être livrés à une destination. Donc nous, on va laisser à Trevor. J'avais déjà fait un épisode où c'était pas vraiment, vraiment dans la peau d'un pilote. Là, il va avoir un peu plus de montage, il va avoir un peu plus d'interaction. On va juste demander au gars de s'arrêter. Ok, du coup, on est bien arrivé les gars à l'aéroport et on va aller tout simplement aller rejoindre notre avion. Et du coup, pouvoir transporter ces deux personnes. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que si vous aimez bien, en fait, tout simplement ce genre de vidéo. Donc là, je suis en pilote. Hein. Je sais, je me suis fait un petit pilote plutôt stylé. Il y avait pas mal de choix. Et je sais pas. Moi, je me suis toujours. J'ai voulu prendre lui parce que. Tout simplement, je sais pas. Il fait un peu pilote, tu vois. Genre pilote de 40 ans. De ses plusieurs expériences, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Il a une petite montre, tout ça, ça rend vraiment stylé et il a l'air quand même d'être haut gradé. Je sais pas comment on va l'appeler ce pilote, mais je pense que. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme nom. Gérard. Choisissez un nom pour le pilote dans les commentaires, les gars. Moi je pense que Gérard c'est un bon nom. Gérard le Graviton. On va l'appeler Gérard le Graviton. C'est pas mal comme nom, je pense. Ok, c'est bon, on approche du coup de l'aéroport et du coup voilà, on est dedans actuellement et on approche du coup de l'avion. Donc on est tout simplement un pilote de chez Emirates Fly. Donc pour ceux qui connaissent hein, pour ceux qui connaissent un peu les compagnies, on a Air France, on a Emirates, on a je sais pas, on a tout Vueling, on a vraiment pas mal de compagnies. Et nous on travaille du coup pour Emirates. Voilà, je vous dirai Emirates après, dans l'épisode 1, je crois qu'on avait fait, enfin pas dans l'épisode 1, mais c'est hors épisode, c'était un épisode un peu hors série où je testais, d'ailleurs ça vous avait pas mal plu, où j'avais crashé l'avion. Cette fois-ci, j'espère pas me crasher, parce que j'ai pas envie de me crasher tout simplement. Ok, du coup, on est actuellement à côté de l'avion, et cet avion qui m'a l'air tout simplement magnifique, qui est juste fou, il est énorme, je vous montre quand même comment il donne de loin. Un peu de côté comme ça. Donc voilà, comme je dis, on est chez Emirates, je sais pas comment vous prononcez vous. Mais il est pas mal. Et donc on est sur un Airbus A380. Ah ouais, wow, c'est shité. Par contre, wow, les this shit. C'est magnifique. Il y a déjà des gens dans l'avion. Donc là, comme vous pouvez voir, les bagages ont bien été livrés. Hein, les bagages ont bien été mis dans l'avion. Tout est bon, il manque plus qu'à tout simplement monter à bord et c'est parti, je vais monter à bord. Ok. What the fuck, cet avion il est énorme. Là regardez, on a une caméra qui est ma foi assez grande. Donc il est quelle heure actuellement? Il est midi, donc midi départ tout simplement de l'avion. Donc on n'est pas encore autorisé à décoller il me semble, je vais demander. Bonjour, ici pilote Unin, est-ce que nous avons autorisation à décoller? Donc c'est parti, tout le monde est à bord, il me semble que tout le monde est à bord, ouais. Je vais mettre en première personne pour voir un peu ce que ça donne. Ok, donc le gang... Ah ouais, d'accord, le membre du gang est avec moi, donc c'est un copilote. Ah ouais, c'est juste incroyable. C'est magnifique.
Donc c'est bon, il est bien avec moi, tout le monde est bien installé, on est au calme. On peut pas mettre une caméra un peu plus. Enfin, vous voyez. Et comme il me regarde, ça fait peur. Ok. Eh bien écoutez, c'est parti. Hop, on se remet en première personne. Pour reculer, je pense qu'on va s'enlever de la première personne. Bon, par contre, lui, je pense qu'il montera pas avec nous. C'est magnifique. Alors, ce qui est. Ouf, par contre, il faut pas que je touche les avions. Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion. Mais des fois, on a l'impression que le pilote il va toucher d'autres avions. Ou quand l'avion il atterrit, on a l'impression qu'il va pas assez freiner. Il aura pas assez de temps pour freiner. Ça fait vraiment peur en fait. Ok. Bon, par contre, lui il veut monter avec nous. Mais je pense que mon pote il n'y a pas de place. Alors attendez, il y a un truc qui bloque. Et je crois que c'est ici que ça bloque. C'est vraiment difficile. Donc, franchement, si vous avez un. Je sais pas s'il y a un babouin, peut-être parmi nous, qui a un père qui est pilote. C'est juste incroyable ce métier. Et c'est chaud quoi. Déjà, juste dans GTA, on a du mal. Alors, j'imagine pas dans la vraie vie. Regardez, regardez, on a failli toucher. Ok. Waouh, 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 c'est chaud, mais je peux pas passer par là en fait. Ok. C'est bon, je pense que par là on peut passer. Je vais passer un peu comme ça. En vérité, c'est chaud, c'est comme un travail. Ok, là c'est bon. Là on est bon, on va pouvoir se placer pour décoller. Je pense qu'on va aller ici. Ok. Là on est bon. On va juste bien se placer. Voilà, c'est bon. En fait, c'est assez compliqué quoi. Après, je sais qu'un avion, normalement, quand il tourne un peu sur place. Je sais pas si vous avez déjà vu. On a l'impression que l'avion il tourne sur place. Ok. C'est parti. Donc, on va maintenant décoller dans pas longtemps. On attend juste l'autorisation pour décoller. Et c'est bon. Donc, là, on a juste l'autorisation d'aller en piste, hein, bien évidemment. Et ensuite, une fois qu'on est en piste, on aura peut-être du coup l'autorisation de décoller. Ouais. Je suis pas un bon pilote non plus, hein. En même temps, ça demande quand même un peu de manie, quoi, de conduire un avion comme ça. Ok. On est placé. On va reculer un petit peu. Voilà. Voilà, comme je vous dis, ça, l'avion il tourne en fait vraiment sur place, hein, regardez. On va reculer un petit peu. Ok. Bien se placer juste avant le sur les trucs jaunes. Je pense qu'on est bon. On recule un tout petit peu et on est bon. Ok. Ici, commandant Unwin, nous sommes actuellement placés sur la piste L33 en direction de Wright and the Wright. Est-ce que nous avons autorisation à décoller? Destination Trevor. Commandant Unwin à l'appareil. Ici, tour de contrôle, autorisation de décoller pour l'avion Emirates A380, immatriculé Zizi-Copter. Vous pouvez autoriser à décoller, autorisation à décoller. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de l'avion A380. Vous êtes la bienvenue en direction de Emirates Fly. Et oui, notre temps de vol sera de aujourd'hui, bien évidemment, hein. Okay. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de l'avion Airbus A380 Emirates. La compagnie et moi-même, nous vous souhaitons un agréable voyage en compagnie de Emirates Fly. Notre temps de vol sera aujourd'hui de 1h50 minutes et sera à destination, bien évidemment, de Trevorville. Beau temps sur le trajet avec quelques petites turbulences prévues en approche. À l'arrivée, c'est un beau temps qui nous attend avec une température de 28 degrés Celsius. Bon vol, ici, commandant Emile.
Eh bien, c'est parti, on peut décoller! Let's go! Tout le palais, donc la destination, on va quand même la mettre sur le GPS. On doit atterrir ici et je pense qu'on va atterrir. On va atterrir comme ça, je pense. Ouais. Et c'est parti. Je pense que tout le monde est wari. On va se mettre en première personne, je pense. C'est peut-être un peu plus stylé en première personne, je sais pas. Et let's go! C'est incroyable. Je kiffe. J'ai l'impression d'être un pilote d'avion en fait. Bon, je suis commandant de bord en vérité. C'est différent. Bon, faut bien monter. Alors, je sais pas ça à combien de pieds qu'il faut monter pour ceux qui connaissent un peu en avion. On va juste enlever les ailes peut-être. Ok. On est plutôt bon. The fuck, c'est magnifique. Incroyable. Ok. Ok, on va passer. On va juste, je pense, un peu prendre de. Enfin, prendre un peu d'auteur parce qu'on a vraiment. Je pense qu'on n'a pas le droit. Je sais pas s'il y a un seuil. Je pense qu'il y a un seuil hein, à pas dépasser quand t'es pilote d'avion. Ou genre. Enfin, t'as pas le droit, je pense, de. Genre là, je pense on est. Enfin, je pense qu'on autorise. Je sais pas. Je sais pas si on autorisait à voler aussi bas. Ok. On est bon. Hein. Je sais pas s'il est encore avec moi, le gars. Oh, il est encore avec moi. T'as regardé tous les boutons qu'il y a dans un avion, c'est juste fou quoi. Lui, il a même pas mis sa ceinture, il s'en fout complètement. Oh. Oh, j'étais même pas en train de regarder. Ok, donc là on est où actuellement? On va bientôt arriver, hein. On va bientôt arriver. On va juste demander au monde de l'avion d'attacher la ceinture dans pas longtemps parce que l'avion va pas tarder à atterrir. Et ensuite on sera un petit kiff une fois qu'on aura ramené le gang. On peut aussi atterrir à ici là. Regardez, c'est stylé. Ok. Ok, je pense qu'on est bon. Faut juste bien se placer par rapport à la piste, je pense. Et c'est assez compliqué de. Moi encore, le décollage, ça va. Sur GTA, le décollage, ça va. Mais je pense qu'il est un peu plus compliqué. Ouf, oulala, là là, attention, nuit, attention. Ok. Ici, commandant Unwin, nous sommes actuellement à quelques minutes de l'atterrissage. Je vais vous demander à tous de mettre votre ceinture de sécurité. Préparez-vous à l'atterrissage. Préparez-vous à l'atterrissage. Préparez-vous à l'atterrissage. Ok. On va éteindre les moteurs, on va couper les moteurs. Ok. Je sais pas si on aura assez de place. Ok. Ah. Ça m'avait l'air bon, mais je crois bien que un caillou nous gêne. Ok, il y a un caillou qui. Ah oui. En fait, ouais, il y a des cailloux qui gênent. Donc là, ça va être un peu compliqué, hein. C'est ça un pilote aussi. Un pilote, il faut savoir manier l'avion. C'est-à-dire que là, voilà, hop, on passe au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que dans la vraie vie, on serait déjà mort, mais. Mais c'est pas mal. Ok. Il me semble qu'on est bon. Bah écoutez, bah. On est bien arrivé, hein. On va juste se garer là-bas, comme ça on va pouvoir bien décoller après. Ouais, je pense que là on est bon. Ok. On va juste réparer quand même l'avion, voilà. Et c'est bon.
Bienvenue à toi, mec. Et ben voilà. Et ben je crois que la personne a été livrée. On peut lui dire de partir. Donc hop, on va dans Bodyguard. Et on fait tout simplement Leave. Et voilà. Bienvenue à destination, mon gars. Ciao, ciao. Bon, par contre, il pleut. On va remettre quand même le bouton. Oh. Ok, du coup, on est reparti, les gars. Cette fois-ci, on va essayer d'aller décoller. Enfin, on va atterrir tout simplement à l'aéroport de Los Santos. Quoi, j'ai envie de dire, on va retourner à Los Santos. Ça a été un peu compliqué de décoller chez Trébor. Je pense qu'on va pas trop aller là-bas maintenant. Parce que c'est vrai qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'obstacles. Et l'avion. Ah ouais, je faisais. Ah ouais, regardez en dessous, les gars. Regardez en dessous. Magnifique. Ah ouais, c'est juste stylé. En fait, tu passes au-dessus de la map comme ça. C'est incroyable. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petit et quand j'étais. J'ai pris pour la première fois l'avion. C'était, je sais plus, je crois. Il me semble que j'avais dans les 9 ans. 9-10 ans. Et je partais donc du coup en avion. Et il y avait 3 heures de route. Et le problème, c'est que l'avion, on va dire qu'il. Il faisait pas trop beau quoi pendant le chemin. Il faisait pas trop beau et je sais pas si un pilote il a le droit de voler aussi bas dans la vraie vie. Mais bon, nous on est fous. Et on aime ça quoi. Et du coup, il y avait trop de turbulences et j'arrêtais pas de pleurer. Parce que j'avais peur en fait des turbulences quoi. Ça fait flipper quoi. Ok. Retourner. Tranquille, tranquille. Je sais pas si on est mal placé là. Ok. Voilà, c'est tout. On a atterri. Et ben voilà, je pense qu'on va redécoller. C'est quoi, on va redécoller? J'ai envie de redécoller. En tout cas, voilà. On va se laisser là-dessus, les gars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On était tout simplement dans la peau d'un pilote d'avion, j'ai envie de dire. Et ma foi, ce fut vraiment pas mal. C'était vraiment kiffant. J'ai bien kiffé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. On se laisse là-dessus. Bye bye.